Bienvenue à La Facture. On vous le dit souvent, la rétrofacturation, c'est un droit, et ce, dans presque toutes les provinces. Un outil conçu pour vous aider face aux commerçants. Mais pour que ça marche, il faut un troisième joueur, votre institution financière. Or, vous allez voir qu'elle ne respecte pas toujours la loi. Si nous vivions dans le film Retour vers le futur, nous pourrions faire marche arrière et effacer nos erreurs. Bref, s'arranger avec le gars des vues. Heureusement, dans le monde de la consommation, un retour dans le temps est presque possible. On appelle ça la rétrofacturation. Et comme vous allez le voir, certaines institutions bancaires ne respectent pas la loi. J'adorais mon idée parce que c'était un cadeau vraiment surprise. Noël 2019. Anne-Christine Bélanger achète des billets de RPM Expérience en ligne pour les offrir à son conjoint. 379 $ pour 8 tours de piste. Bienvenue à La Facture. Comme les consommateurs désabusés de notre reportage, Anne-Christine Bélanger croyait que ses billets étaient perdus. Jusqu'à ce qu'elle entende ceci à La Facture. Je vous rappelle que si vous achetez vos billets à distance avec une carte de crédit, tant que le service pour lequel vous avez payé n'a pas été offert, vous pouvez toujours recourir à la rétrofacturation. Et donc, c'est ce qui m'a donné comme le coup de pouce pour dire, ben là, OK, là, j'ai vraiment la facture qui le mentionne. Quand on fait un achat en ligne ou par téléphone, par carte de crédit, et que le commerçant ne livre pas la marchandise, on peut demander à l'émetteur de notre carte de crédit de nous rembourser. L'institution financière a l'obligation de créditer votre compte si vous respectez les paramètres de la rétrofacturation. C'est la loi. J'ai tout de suite téléphoné à Visa Desjardins pour demander comment fonctionnait la rétrofacturation. Anne-Christine déchante rapidement. Selon l'agente au service à la clientèle de Visa Desjardins, le délai pour faire une demande de rétrofacturation serait dépassé. Puis, quand elle m'a demandé, donc c'est pour une dépense, de quelle date? Et là, j'ai mentionné, évidemment, décembre 2019. Puis la personne a dit, ah, ben là, voyons, il est beaucoup trop tard. Madame, c'est pas possible. C'est ce qu'on vous a dit au téléphone, oui. Que c'était trop tard. Oui. Il a dit, madame, c'est 90 jours, c'est comme ça. Claudia Bérubé est avocate et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est pas acceptable du tout. Ces délais-là n'existent pas dans la loi sur la protection du consommateur. On ne peut pas prévoir dans les politiques internes ou dans des conventions quelconques des délais différents qui privent le consommateur de ses droits. Voici ce que vous devriez entendre au sujet des véritables délais, ceux dictés par la loi, si vous souhaitez faire une demande de rétrofacturation. Comme consommateur, vous devez accorder un délai de grâce de 30 jours au commerçant pour honorer son engagement. Vous pouvez ensuite annuler votre contrat en tout temps, tant que le service n'a pas été reçu. Si, au bout de 2 semaines, le commerçant ne vous rembourse pas ou s'il ne répond pas, vous pouvez alors vous tourner vers l'émetteur de votre carte de crédit pour faire une demande de rétrofacturation. Attention, cette demande doit se faire par écrit et vous avez 2 mois pour la faire. Oui, clairement, il y a quelque chose dans la chaîne qui ne fonctionne pas. Anne-Christine téléphone de nouveau à Visa Desjardins, cette fois devant notre caméra. Comme vous allez le voir, il semble y avoir confusion entre rétrofacturation et contestation. Oui, bonjour. En fait, j'appelle pour avoir de l'information concernant la rétrofacturation. J'aimerais, en fait, faire une demande là, concernant une dépense pour laquelle j'ai jamais pu avoir le service. Malheureusement, ça dépense vraiment le délai. Maximum qu'on peut procéder à une contestation. C'est quoi votre délai? Actuellement, c'est 90 jours. Maximum, vraiment le maximum, c'est 540. Puis là, ça a dépassé le 540. Je suis déçue parce que mon appel en janvier était pas du tout pareil. Là, on n'a jamais parlé d'un autre, délai. Là, fait que j'aurais peut-être même pu régler ça dès janvier dernier avec le délai de 540 jours. Desjardins refuse notre demande d'entrevue. Mais par courriel, l'institution confirme l'existence de délais de 90 jours et de 540 jours en fonction des règles fixées par les réseaux de paiement comme Visa ou Mastercard. Mais attention, Desjardins évoque ici des règles de contestation qui n'ont rien à voir avec la rétrofacturation.
Je constate que des institutions financières doivent donner leur juste, doivent dire la vérité. Le fait de dire à un consommateur, malheureusement, ça fait plus de 90 jours ou plus de 540 jours que votre transaction est effectuée. Si le consommateur respectait la loi et que l'institution financière vient ajouter un délai qui n'existe pas dans la loi, c'est illégal. Mais ce n'est pas tout. Certaines institutions bancaires commettent ainsi une double faute. Un commerçant qui donne des informations qui sont fausses ou trompeuses commet également d'autres pratiques qui sont interdites par la loi sur la protection du consommateur. Pour voir si ce type de discours erroné des institutions bancaires est fréquent, nous décidons de faire un test avec trois autres consommateurs. Tous avaient des billets pour participer à différents événements de course à pied, constamment reportés depuis le début de la COVID. Marie-Josée Goudreau est cliente de Visa TD. Ici aussi, on lui répond qu'elle n'a pas droit à la rétrofacturation. Pour faire une réclamation, on pourra juste le faire en 90 jours de l'achat. Oui, mais la loi de la protection du consommateur dit que vous devez l'effectuer, la rétrofacturation. Mais nous, notre loi, côté banque, j'aimerais bien le faire pour vous, c'est juste qu'on a des procédures aussi. Si ça dépasse 90 jours, on ne pourra pas. TD applique, elle aussi, ses règles internes et fait fi de la loi sur la rétrofacturation. Alexandre Plourde est avocat et analyste chez Options Consommateurs. Nous lui soumettons nos enregistrements. Le délai pour demander la rétrofacturation dans la loi sur la protection du consommateur, il ne se calcule pas à partir de la date de l'achat, mais se calcule à partir du moment où le consommateur décide d'annuler son achat. La Banque Toronto Dominion refuse, elle aussi, de nous accorder une entrevue, mais explique par courriel « Nous sommes désolés qu'une de nos clientes ait reçu des informations erronées et nous prenons des mesures pour nous assurer que nos équipes disposent des renseignements nécessaires. En ce qui concerne la protection des consommateurs, soyez assurés que nous suivons les lois en vigueur. » Isabelle Reed, elle, est cliente de Visa Banque Laurentienne. Son appel bondit d'un service à l'autre. J'ai l'impression de tourner en rond. Elle tombe enfin sur la bonne personne. Et bingo, elle reçoit la marche à suivre. Vous devez leur écrire un courriel où vous dites que vous voulez être remboursé totalement. Vous laissez comme ça 2 semaines. Puis après 2 semaines, s'il ne me répond pas, je peux vous rappeler? Exactement. Quelle note on donne à Banque Laurentienne? Si elle obtient un remboursement, je donnerais 10 sur 10 à la banque. Au moins, j'ai un plan. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Je poursuis, mais on verra dans 2 semaines ce que les gens vont dire. Et voici notre dernier cas. Pierre-Luc Ouimet est avec la Banque nationale. Merci pour votre patience. Vous allez avoir votre crédit de ce montant-là sur votre prochain relevé. OK. D'accord? Parfait. Vous avez attendu combien de temps au téléphone? Là, présentement, j'ai attendu 1 heure et demie à peu près au téléphone. Le temps, c'est de l'argent, puis on est sur la limite de ce que ça valait versus le temps à investir là-dessus, par contre. Ce que je trouve étrange, en fait, c'est que dans ce cas-ci, on lui a offert un crédit sans trop lui poser de questions pour le même type de situation que préalablement. L'impression que ça laisse, c'est que c'est aléatoire. 4 demandes de rétrofacturation, 4 institutions bancaires. Dans 2 cas, nos participants ont obtenu des informations erronées. C'est désolant, parce que ça vient priver le consommateur de ses droits. Le consommateur pense que malheureusement, j'ai dépassé mon délai, alors que ce délai-là a été ajouté, inventé par les institutions financières, probablement pour limiter les demandes de rétrofacturation. Mais c'est pas ça l'intention du législateur. L'intention du législateur, c'est de permettre au consommateur de récupérer son argent. Et faciliter les choses. Faciliter les choses, que ce soit facile pour le consommateur. Et là, on voit que c'est pas le cas, là. Exact. Malheureusement. Alors, la Banque Laurentienne a-t-elle toujours 10 sur 10? Eh non, parce qu'elle n'a pas répondu à Mme Reed dans les délais. Nous avons relancé la banque qui lui a promis de la rembourser. Et la TD a finalement remboursé Mme Goudreau. Alors, si vous croyez que votre institution financière ne respecte pas vos droits, portez plainte à l'OPC ou adressez-vous aux petites créances.